25 ans d'attente, 25 ans à rester dans l'ombre des autres clubs nantais. En remportant cette Leaders' Cup, sorte de coupe de la Ligue de la balle orange, le Nantes Basket Hermine s'est enfin donné le droit de sourire et de partager un peu de bonheur. C'est pour ça que je suis venu ici à Nantes, pour remporter des titres. Et pourtant, tout le monde nous voyait autour de la 15e place en début de saison. Et on gagne la Leaders' Cup, on l'a fait, on l'a fait. Déjà, je suis content pour le club parce que c'est déjà un premier titre, c'est historique. Et je suis vraiment fier. Un titre, ça se fête, souvent avec des bulles d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de verre avec le champagne? Parce qu'une victoire, ça se fête sans verre, ça s'arrose, ça s'arrose, ça s'arrose. You deserve that. Vous l'avez mérité ce trophée, ok? Maintenant, on se revoit jeudi et profitez! Une victoire collective portée par l'un des basketteurs les plus méconnus de l'équipe, Ludovic Negrobar, 22 points en 27 minutes. Auteur de shoot à 3 points incroyable, Ludo Negrobar, élu meilleur joueur de cette finale. C'est incroyable, franchement c'est incroyable et je suis hyper content, j'espère que ça va continuer. Le coach il me dit, t'es capable de, continue, tu travailles pour, voilà, et confiance en ce que tu fais et c'est ce que j'ai fait ce soir. La victoire d'un groupe, d'une équipe façonnée par Audrey Sauret et son coach Jean-Baptiste Lecronier. Décrié ces derniers temps après les 6 défaites en championnat, mais qui a su remobiliser ses troupes au bon moment. Ils l'ont mérité, sincèrement. Je crois qu'avec tout le respect qu'on a pour l'équipe d'Antibes, forcément, mais je pense qu'on est devant 40 minutes. On a tenu, on a retrouvé nos couleurs défensives. Offensivement, on a réussi à ne pas perdre le ballon, pas gâcher, partager les choses. On a fait preuve de consistance ce soir, chose après laquelle on court depuis tellement, tellement, tellement longtemps maintenant. Là. Forcément, une vraie satisfaction. Assis en bout de banc, le président du club vit cette finale en apnée totale. Spectateur mais incapable de rester en place, il savoure ce premier titre pour sa première année de présidence. C'est très dur à vivre parce qu'il y a tellement d'attentes à Nantes sur le Nantes Basket Hermine que pour nous c'est juste fabuleux, on va pouvoir continuer à travailler. On était dans le dur, les garçons ont réagi, et c'est super. Un premier trophée et un strapontin direct pour les playoffs de fin de saison, le Nantes Basket Hermine ouvre un nouveau chapitre de son histoire en 2020.